beaucoup. Veuillez reprendre vos places. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi d'être là pour partager la parole du Seigneur avec vous ce soir. Et je considère ça comme une grâce que Dieu nous fait parce que nous sommes plusieurs aumôniers, plusieurs pasteurs et tout le monde n'a pas la possibilité d'être aligné. Alors quand nous sommes alignés pour partager la parole de Dieu, c'est vraiment une grâce, un privilège. Je m'inscris déjà dans le thème qui nous a été communiqué, lequel thème est pris dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi Jean chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 5 plutôt, 14 à 17. Alors je disais, c'est une joie, c'est un privilège. Je remercie l'aumônier urbain qui nous a invités et tous les anciens. Je suis content d'être là. Je ne sais même pas la dernière fois que j'étais, mais je pense que ça ne fait pas très très longtemps. Mais les années passent très vite et la COVID vient nous embrouiller un peu. C'est notre tour de l'embrouiller sérieusement jusqu'à ce qu'elle nous laisse tranquille. Jean chapitre 5, versets 14 à 17, nous lisons ceci. Après ce temps, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voici le verset 17 d'où est tiré notre thème de tout ce temps, « Mon Père agit ». Moi aussi, j'agis. Donc nous sommes là derrière l'action ou les actions du Seigneur. Et pour me permettre d'aborder ce thème, je vais prendre un sous-thème à partir d'ici. Et mon sous-thème s'intitule « Agis conformément au modèle ».« Agis conformément au modèle ». Si Jésus a dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis », cela veut dire que Jésus agissait selon un modèle. Et d'ailleurs, quelque part, il a dit « Je ne fais pas des choses que moi-même j'invente, je fais des choses que je vois mon Père faire ». Donc, en d'autres termes, il avait un modèle, il avait un schéma, il avait une inspiration. Il avait quelque chose de précis qui était devant lui et il était en train d'exploiter ce modèle-là, d'agir selon ce modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a même recommandé de travailler avec lui, de travailler pour lui. Il nous a même promis que lorsqu'il partirait au ciel, il enverrait le Saint-Esprit et cet Esprit nous amènerait à faire des choses comme lui-même aurait prévu. Donc nous sommes dans une phase où le Saint-Esprit est déjà arrivé et donc c'est notre tour de travailler, mais de travailler selon un modèle. Plusieurs personnes ont bien commencé le travail, mais ils n'ont pas bien fini parce qu'ils n'ont pas suivi le modèle. Et j'aimerais donner quelques caractéristiques de ce modèle-là
pour que nous, nous puissions nous inscrire derrière ce modèle. Dieu ne travaille pas n'importe comment. Dieu a un schéma qu'il suit lorsqu'il travaille. Et quand Dieu fait quelque chose, là où il travaille, il y a une grande distinction entre ce qu'il fait et ce que les autres font. Parce qu'il est un Dieu correct, il est un Dieu vrai, il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu omniscient, il est un Dieu qui maîtrise tout ce qu'il a créé. Il n'a besoin de tirer de l'inspiration de personne, mais ce qu'il fait inspire tout le monde. Il sait ce qu'il fait, il connaît toutes choses et il déclare la fin à partir du début et il sait comment il avance à chaque étape. Il est un Dieu qui ne se perd jamais, il n'échoue jamais, il ne se rétracte jamais, il ne se rebuffe jamais. Dès qu'il a décidé quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a tous les moyens qu'il faut pour arriver à la destination. Il a tout ce qu'il faut pour arriver à la réalisation de ce qu'il décide. Il est un Dieu capable de tout faire et capable de tout réaliser. Et des fois, la Bible nous conseille qu'il y a des chemins. Si nous suivons, nous aussi nous pouvons réussir. Rappelez-vous le psaume premier qui dit « Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui produit son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Tout ce qu'il fait lui réussit. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui réussissent toujours. Il y a des gens qui réussissent souvent, mais il y en a de ceux qui réussissent toujours. Alors moi, je viens parler à quelqu'un pour que tu sois en mesure de réussir toujours. Lorsque tu entreprends quelque chose, la destination, c'est la réussite. Et personne ne peut t'empêcher de réussir parce que celui qui marche avec toi, il n'échoue pas. Celui qui te guide ne choue jamais. Et si tu marches dans ses traces, tu ne choueras pas. De la même manière qu'il a réussi, toi aussi tu réussiras. Alors, je vais donner quelques éléments, à peu près 3 ou 4, quelques caractéristiques de ce modèle d'action de Dieu. La première chose qui caractérise l'action de Dieu, c'est que l'action de Dieu est incompréhensible à notre intelligence. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Ce qu'il fait est difficile à être discerné par notre intelligence. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Dieu fait des choses qui reflètent le niveau de sa connaissance et de sa compétence. Donc si nous voulons suivre ces traces-là, nous devons quitter le niveau naturel de notre manière de réfléchir et commencer à viser, à penser comme Dieu pour faire comme lui. Parce que si nous ne pensons pas comme lui, nous n'allons pas à l'avance faire comme lui. Il y a certaines choses qui nous échappent parce que nous pensons à la manière des êtres humains et nous pensons réussir à la manière des hommes. Quand tu commences à voir ta vie, tu vois les années d'études qui t'attendent, tu ne sais pas ce qui se passera après ces années-là. Tu as la manière humaine de voir des choses. Mais Dieu connaît déjà ce qui va t'arriver. Et si tu marches avec lui, il t'inspirera de passer à gauche et à droite conformément à ce qu'il connaît déjà. C'est pourquoi tu ne tâtonneras pas dans ta vie quand tu marches avec lui. Tu auras une connaissance capable de t'aider à réfléchir plus haut. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta manière de réfléchir si tu veux servir Dieu et si tu veux réussir avec lui. Ne réfléchis pas comme un homme, réfléchis comme lui peut réfléchir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la pensée humaine naturelle, elle est déjà corrompue. Elle est déjà corrompue, elle ne t'amènera nulle part. Dans ta pensée, dans ta manière de te voir, tu te vois par rapport à tes limites. Tu penses par rapport à tes limites. Nous sommes ici, nous ne voyons pas la route qui mène vers le Bas-Congo,
Il y a des véhicules qui passent là, nous ne pouvons pas penser à ça. Nous sommes en train de penser à ce qui nous environne ici parce que nos pensées sont les reflets de ce que nous pouvons recevoir de l'extérieur. Notre environnement limite notre manière de penser. Notre environnement oriente notre manière de penser. Mais si nous allons à la dimension des pensées de Dieu, lui va plus loin. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dans Isaïe 55, il dit, de la même manière que les cieux sont éloignés de la terre, voici la distance entre ma manière de penser et votre manière de penser. Votre manière de penser est limitée à votre petitesse. Personne ne sait que vous, tel qu'on vous voit là, vous êtes le prochain millionnaire. On ne sait pas voir ça, mais lui sait voir ça. Il ne sait pas que vous êtes le prochain diplômé qui aura une vie décente, qui va avoir une famille réelle, qui va avoir des enfants vrais et qui va faire des affaires dans la grandeur. Vous ne savez pas voir ça, lui sait voir ça. Vous réfléchissez en fonction d'un oncle qui est malade, qui devait vous aider, mais qui n'est plus là. Le cœur attrape des palpitations parce que tel qui devait répondre à l'appel n'a pas répondu. Vous êtes en train de réfléchir, de travailler au niveau humain, mais lui ne travaille pas à ce niveau-là. Quand Jésus était en train de donner son plan d'action à ses disciples, Pierre est allé le voir pour dire « Ah non !» Tout ce que tu as dit là, c'est bien. Tu es le Fils de Dieu que nous. Mais la chose que tu dis là, de mourir là, jamais, ça ne peut pas être dans ton plan parce que toi, tu ne peux pas mourir. Et d'ailleurs, il ne faut pas accepter de mourir. Jésus a rétorqué, arrière de moi, Satan. Quand vous lisez ce texte-là, il est pathétique dans Matthieu 16, à partir du verset 16, il dit, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont les pensées humaines. Moi, j'allais penser que Jésus devait dire « tes pensées sont diaboliques ». Mais il dit « tes pensées sont humaines ». Cela veut dire que dans les pensées naturelles humaines, le diable a déjà beaucoup travaillé. C'est un terrain dans lequel il a déjà beaucoup travaillé, y compris les mensonges. La délibération n'est pas encore là. Toi, tu as déjà la diarrhée parce que dans tes pensées, tu penses que tu vas échouer. Est-ce que vous pouvez comprendre certaines de ces choses-là? Il a déjà travaillé. C'est pourquoi c'est un terrain que Dieu veut occuper afin que tu travailles convenablement en raisonnant comme Dieu aurait raisonné, comme Jésus aurait raisonné s'il était à ta place. Il n'allait pas se limiter par son entourage, il allait fonder ses actions sur des pensées nobles, principalement sur les promesses que Dieu lui aurait données. La première chose, les œuvres de Dieu sont incompréhensibles parce que lui-même, sa sagesse et sa capacité dépassent l'entendement des hommes. Donc si nous voulons nous aligner derrière les œuvres de Dieu, nos actions doivent dépendre de sa parole et non pas simplement de nos simples idées. Nous devons faire ce qu'il nous dit de faire. Et ce qu'il nous dit de faire sera quelque part incompréhensible à notre niveau. Mais si nous appliquons ça, nous allons retrouver la voie de la grandeur et des choses incompréhensibles. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 nous dit... Romains chapitre 11, verset 33-34, nous dit ceci. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Voilà, Dieu fait des choses incompréhensibles parce que sa sagesse, son intelligence sont au-delà du niveau compréhensible de l'être humain. Donc, la qualité de ces valeurs spirituelles vont au-delà de notre entendement. Je vous ai donné un passage de Romains, plutôt d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8. Je peux le relire ici simplement.
Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons travailler et réaliser des choses avec Dieu, nous devons tirer notre inspiration, non pas de la science des hommes, mais plutôt de la parole de Dieu qui possède la pensée de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, par exemple, que les choses que Jésus avait faites, vous aussi, vous pouvez le faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si la parole de Dieu dit ce que Jésus a fait, toi aussi, tu peux le faire, donc toi, tu es candidat au miracle. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, Dieu te met à un niveau où tu peux faire ce que Jésus a fait. Toi, tu vas rechercher ce que ton grand-père a fait, qui n'a rien à voir avec ce qui est correct. Mais tu dois t'inspirer de la parole de Dieu qui te donne déjà la lumière et qui t'indique ce que tu es capable de faire. Je ne croirai pas en ce que je sens dans mon corps, je croirai en ce que Dieu me dit. S'il me dit que je suis capable, donc je suis capable. S'il me dit que je peux le faire, donc je peux le faire. S'il me dit que je peux le voir, donc je peux le voir. S'il me dit que je suis capable de faire une chose quelconque, donc je suis capable. La vraie capacité vient lorsque nous faisons confiance en Dieu et en sa parole. Plusieurs d'entre nous, Dieu t'a déjà dit quelque chose, mais tu penses que cette chose n'arriverait jamais parce que tu réfléchis selon toi-même. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la promesse que Dieu t'a donnée, elle arrivera. Elle s'accomplira. Elle se réalisera. Parce que nous sommes dans la phase où la parole de Dieu est devenue chair et c'est elle qui gouverne, qui contrôle le monde actuellement. Si tu veux aller loin, tu n'as pas besoin d'autre chose que d'avoir la parole de Dieu et de t'attacher à la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples pour convaincre quelqu'un. À l'époque, le pouvoir était identifié par un symbole. Même dans la Bible, on nous retrace ça. Vous voyez, Moïse, son pouvoir était symbolisé par une canne. En tout cas, là où la canne était agitée, quelque chose se passait. La canne est allée même frapper là où Dieu n'avait pas prévu de frapper. Il a frappé un rocher, le rocher a fait couler l'eau. Cette canne-là a fait des misères en Égypte. Il suffisait qu'il la soulève comme ça. Il y a des flammes de feu qui embrasent le pays. Donc la canne faisait son histoire. Et d'ailleurs, à cette époque-là, quelqu'un qui a une canne veut dire que derrière cette canne ici, il y a des puissances qui m'accompagnent. C'était ça. Et quand il est allé en Égypte, quand il est retourné en Égypte, en fait, lui, il n'avait qu'une canne de berger. Ça ne signifiait rien pour les Égyptiens. Mais lorsqu'ils ont jeté leur canne, qu'ils se sont transformés en serpent, eh bien, la canne de Moïse a récupéré toute l'affaire et s'est imposée sur le terrain comme pour dire, Dieu contrôle toutes choses. Mais Moïse a ouvert la mer rouge avec la canne, il a donné beaucoup de choses avec la canne et il est parti avec la canne. Josué n'a pas pris la canne, heureusement lui c'était l'arche. Avec l'arche, il a pu se positionner sur le Jourdain s'est ouvert et il a traversé avec le peuple, avec l'arche. L'arche a entouré Jéricho, a contourné Jéricho autant de fois que la parole avait indiqué et les murs de Jéricho se sont écroulés et l'arche est partie. On voit venir quelqu'un d'autre, ce qui c'est Élie avec une veste. Il frappe sur la mer rouge, et plutôt le fleuve. Le fleuve, c'est simple. Imaginez-vous quelqu'un avec une puissance dans la veste qui frappe le fleuve se sépare et il traverse. Il donne la veste à celui qui se le succède. Celui-ci aussi vient, il frappe le fleuve avec la veste, et puis le fleuve se sépare. Il traverse.
Et nous arrivons à un moment où le symbole n'est plus au niveau des instruments, sinon au niveau de la parole. Parce que ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Élie, c'est quelqu'un qui avait l'esprit sans mesure. Celui-là, il avait le Saint-Esprit et une puissance sans mesure. Il n'avait pas besoin d'ouvrir le Jourdain pour passer. Il n'avait pas besoin d'ouvrir le lac. Lui marche sur le lac. Il n'a pas besoin d'ouvrir, mais il marche sur le lac. Et la même puissance, il peut la donner à quiconque le veut. Pendant qu'il marche sur le lac, si tu veux marcher, il va te donner ce pouvoir-là. Comment ? En te donnant la parole. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si quelqu'un est en train de me comprendre, lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, Pierre lui a posé la question, « Si c'est toi, donne-moi aussi la parole. Envoie-moi la parole pour que moi aussi, je fasse comme toi. » Qu'est-ce que Jésus lui a dit ? « Viens. » Pierre aussi a reçu la parole. Parce que pour moi, je n'ai pas besoin de recevoir autre chose que la parole. Celui qui a reçu la parole est capable de faire ce que l'auteur de la parole était en mesure de faire. Et si tu crois en cette parole, elle te rend capable de réaliser ce que Dieu a prévu. Il dit à Pierre, viens. Et monsieur Pierre sort de la barque. Lui aussi commence à marcher sur l'eau. Il a reçu le pouvoir, il a cru en cela et il a fait exactement comme. Il n'avait pas besoin d'un bâton, il n'avait pas besoin d'une veste, il avait simplement besoin d'entendre, de recevoir, de croire et de mettre en application exactement ce que la parole avait déclaré devait nécessairement s'accomplir. Et Pierre sort de la barque, il marche. Bien sûr que pour lui, il était en train de douter, mais imaginez-vous, la barque était déjà en train d'aller vers le rivage, vers là. Et Jésus venait de ce côté derrière. Donc quand Pierre est sorti de la barque, il retournait pour rencontrer Jésus. Et la barque était en train de partir. Maintenant, là où Jésus l'a rencontré, il voulait s'enfoncer. Jésus l'a récupéré. Dites-moi, il a porté au dos. Où il a fait quoi avec Pierre pour retrouver les autres qui étaient sur la barque? Est-ce que tu peux t'imaginer ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Ils ont marché ensemble. De là où il a trouvé, ils ont marché ensemble. Dieu ne viendra jamais se moquer de toi dans les tentatives de l'application de ta foi. Il viendra t'accompagner dans l'application de la foi. Même si tu essaies, tu échoues un peu, le doute vient t'envahir, lui il viendra pour t'encourager afin que tu ailles de mieux en mieux parce que tu n'as pas de choix. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand la parole agit en moi, ce n'est pas mon intelligence humaine, ce ne sont pas mes sentiments qui prennent le pouvoir, c'est l'esprit qui prend le pouvoir. Or, l'esprit est illimité, il ne se laisse pas entraîner par ce que je vois, mais il libère l'autorité qu'il y a dans la parole, laquelle a créé le monde, comme il est écrit, rien de ce qui existe n'a existé sans elle, et tout ce qu'il y a existe par elle. En elle, il y a la lumière. En elle, il y a la vie. En elle, il y a le pouvoir. En elle, il y a l'autorité. C'est comme ça que vous voyez Jésus dire à un paralytique, lève-toi. Mais où est la force? Dans la parole. Lève-toi, prends ton lit, marche. Il commande un paralytique, il donne l'ordre à quelqu'un qui est censé ne pas faire ça, mais il commande, il lui donne la parole, et cette parole vient avec l'autorité, le pouvoir, tout ce qu'il vous faut. Il suffit d'obéir pour que ce pouvoir se libère en vous et que vous la viviez comme celui qui vous l'a envoyé. Jésus avait dit à quelqu'un, un malade de 38 ans, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Le monsieur est sorti, il a pris le lit, il a commencé à marcher, il rencontre les Juifs.
Les religieux qui disent aujourd'hui c'est le sabbat, tu n'es pas censé porter le lit. Mais il dit, mais moi, je suis le résultat d'un ordre complet qui m'a été donné. C'est un ordre complet. Lève-toi, prends ton lit et marche. Si je me suis levé et j'ose marcher sans prendre le lit, peut-être que je n'allais pas marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, l'ordre était complet. Lève-toi, fais quoi? Prends ton lit et marche. Alors, donc moi, je devais suivre cette étape-là. C'est comme ça que je suis guéri. Qui t'a guéri? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a guéri. Mais comment tu peux être guéri comme ça sans même savoir qui t'a guéri? Oui, mais celui qui m'a donné la guérison n'a pas trouvé ça comme quelque chose d'extraordinaire. Il agit. Il a simplement agi. Il n'a pas besoin de tirer la gloire derrière ce qu'il a fait. C'est un petit acte. Même si chez moi c'est grand, un seul ordre de sa part change, amène la métamorphose de 38 ans de ma vie, annule la lutte de 38 ans de ma vie, donne la victoire sur un blocage de 38 ans. Un seul ordre, un seul. Il n'a pas dit ça deux fois. Et ma misère de 38 ans a disparu. Maintenant, le lit qui me portait, je peux le transporter. Parce que la parole est venue faire son action en moi. L'action de la parole me rend fort. Celui qui m'a porté, je peux le transporter. Celui qui m'a payé le minerval, je peux lui payer la maison. Celui qui m'a payé le transport, je peux lui payer la voiture. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train d'entendre. Le lit qui a souffert pendant 38 ans peut aussi être déplacé. Peut se retrouver aussi dans mes bonnes gardes. On ne se moquera pas de moi tout le temps. Je ne demanderai pas l'huile et le savon tout le temps. Il y aura un temps où Dieu va me bénir. Sa parole s'accomplira dans ma vie. Je sortirai de la misère. Je sortirai de la bassesse. Je sortirai de l'humiliation. Parce qu'il travaille au travers de moi par sa parole. Et que moi aussi je travaille dans ma vie par la parole. La première chose, je fais travailler mon être par la parole de Dieu. Parce que sa méthode est incompréhensible. Il utilise la parole, moi aussi j'utilise la parole. Je veux croire que c'est la parole qui me rendra meilleur. Je veux croire que c'est la parole qui est ma lumière. Je veux croire que c'est la parole qui est ma nourriture. Je veux croire que c'est la parole qui est l'épée de mon esprit. Je veux croire que c'est la parole qui va me conduire sur le chemin. Aussi longtemps que je marche dans la lumière, je ne me tromperai pas. C'est la parole qui est une lampe à mes pieds. C'est la parole que je veux suivre. Et c'est cette parole qui fera que je fasse des choses incompréhensibles. Jésus a dit aux gens, mon Père est en train de travailler, moi aussi je travaille. Et pour que nous puissions suivre le modèle, nous avons besoin de comprendre que la première chose c'est d'obéir à la parole, parce que c'est cette parole qui nous amène à faire des choses incompréhensibles. Il est écrit qu'avec Dieu tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Bon, maintenant, les exploits, ce sont des exploits. Des choses normales, ce n'est pas exploit. Tu es normalement nourri dans ta famille, soutenu, tu termines tes études, ça c'est naturel. Mais tu es abandonné de tout, sans quelqu'un pour venir en aide, tu termines, ça c'est l'exploit. Voilà pourquoi toi tu feras des exploits, parce que le Seigneur lui-même, il va couvrir des choses dans ta vie, là où personne ne peut couvrir, ce que personne ne peut réaliser. Lui, il t'a déjà donné sa parole afin que tu le réalises. Donc la première chose, rêve de faire des choses incompréhensibles au niveau des hommes. Et pour atteindre ce niveau,
tu dois nécessairement t'attacher à la parole de Dieu. Dieu te parlera. Dieu t'amènera à croire aux choses que les hommes ne peuvent pas croire. Il dit à Josué, faites seulement le tour de la muraille et chantez. Seulement ça. Mais il faut pas être militaire pour croire à ces choses. On fait seulement le tour et puis c'est fini. Oui, faites seulement le tour. Et puis le reste, c'est moi qui vais le faire. Parce que quand Dieu te donne la parole, il est derrière pour accomplir ça. Il veut simplement que toi, tu sois l'acteur obéissant devant. Les gens vont voir que malgré tes crises, tu as réussi. Malgré ta solitude, tu as réussi. Malgré les inimitiés, tu as réussi. Malgré la sorcellerie, tu as réussi. Malgré les difficultés, tu t'es marié malgré la loi de la famille. Tu as eu des enfants malgré les blocages de famille. Tout ça parce que toi, tu ne vois pas les liens de la famille, tu vois la parole de Dieu, tu l'appliques, tu obéis, tu suis, tu pratiques et Dieu te fait faire des choses qui dépassent le niveau des hommes. Marche selon la parole de Dieu et tu feras des choses incompréhensibles. Si vraiment les gens ne s'étonnent pas de ce qui t'arrive dans la vie, c'est que c'est normal. Mais si c'est Dieu qui fait, les gens vont s'étonner. Ils vont dire, ce n'est pas la fille qui passait ici. Oui. Mais on ne lui avait pas donné le nom de ceci. Oui, on lui avait donné. Mais c'est elle. Oui, c'est elle. Vous savez, les bénédictions vous rendront très bavards. Les gens se doutent de vous comme le monsieur dont on a guéri les yeux. Les yeux aveugles de naissance. C'est lui ou ce n'est pas lui? Lui, maintenant, il entre dans toutes les conversations. Il dit, c'est moi. C'est moi, là. J'étais là demandant. Mais celui-là m'a envoyé me laver à Siloé. C'était ça, sa parole. Attends, il t'a envoyé te laver. Oui, il a appliqué la boue dans mes yeux. Il dit, mais Bartimée, il n'a pas fait ça. À Bartimée, c'était du tic au tac. Toi, comment il t'a ridiculisé jusqu'à te rendre ridicule, demandant les gens avec toute cette boue-là, jusqu'à quelques kilomètres, jusqu'à Siloé. Moi, je ne m'appelle pas Bartimée. Moi, j'ai mon nom. Il a sa méthode avec qui il travaille de la manière. Je ne veux pas me comparer à Bartimée. Moi, je suis moi. Ce qu'il fait, moi l'essentiel c'est que j'entende sa parole et je mette en pratique. Je n'ai rien à voir avec ce qu'il a fait pour les autres. Je n'ai rien à envier parce que moi aussi j'ai ma part. Dans cette histoire-là, il est un Dieu qui a la part de tout le monde. Et même quand le Saint-Esprit est venu, la flamme était sur tout le monde. Donc moi aussi j'ai ma part du ciel, ma part viendra. Et si j'accepte cette parole, elle va me changer. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et moi, je parle aux gens qui entendent Dieu. Vous ici, vous avez la capacité d'écouter la parole de Dieu, d'entendre Dieu vous parler et de ne jamais négliger ce qu'il vous dit. De croire que dans la parole, il y a le pouvoir. Si vous posez la question comme Marie, comment cela arrivera-t-il? La réponse n'a jamais changé, elle est la même. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Si tu veux savoir comment ça va arriver, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et ce qui est difficile deviendra facile. Ce qui est impossible deviendra possible. Deuxième chose. La deuxième chose dans la méthode de Dieu, nous lisons Jean chapitre 9, verset 11. Il faut l'obéissance totale, la soumission totale. L'obéissance totale, la soumission totale à la parole. Jean chapitre 9, je vous en ai parlé ici, le verset 11. Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue
m'en a frotté les yeux. Puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup, j'ai vu clair. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus, j'ai obéi, j'ai reçu sa parole. Ça, c'est la première étape. Je sais que dès que j'ai la parole, j'ai le fondement du pouvoir. Mais je dois obéir à l'intégralité de cette parole-là. Si je dois bien faire, je dois obéir totalement à la parole. Ceux qui obéissent partiellement à la parole n'arrivent jamais à la victoire. Si vous demandez à Moïse, Moïse va vous dire ça. Je ne suis pas arrivé à la terre promise parce que quelque part j'ai obéi à la parole. Jusqu'à un moment donné, j'ai fait ce que je pensais. C'est l'obéissance totale. Ce monsieur a reçu des instructions. Il dit aux gens, voici ce que Jésus m'a dit de faire, j'ai fait. Et je suis devenu ce que je suis devenu. Vous connaissez l'histoire, on a appelé ses parents. Ce monsieur est-il réellement né aveugle? Dans d'autres traditions, on dit qu'il avait des trous. C'est-à-dire les boules même des yeux n'étaient pas là. C'était vide. Donc ce que Jésus a fait, même si les autres ne comprenaient pas, les Juifs comprenaient ça. Les Juifs comprenaient très bien l'acte que Jésus avait posé. C'est l'acte du Créateur. Au départ, Dieu a pris la terre. Il a donné une forme et il a soufflé l'esprit. Maintenant, à l'époque, Siloé, l'eau du Siloé symbolisait le Saint-Esprit. L'eau du Siloé. D'ailleurs, à la Pentecôte, on faisait un tour, on puisait l'eau du Siloé et on venait répandre sur l'autel pour dire qu'un jour, le Saint-Esprit viendra sur l'eau. Et Jésus prend des boules, il fait des boules. Il met là, il dit, va à Siloé. Vous avez déjà vu les boules de terre, franchement, les boules de terre appliquées ici. Vous allez à Siloé, vous allez mettre de l'eau, ça devient des boules de yeux. Hein? Des boules de terre deviennent appliquées ici, deviennent des boules de yeux. Rien qu'au contact avec l'eau, ce n'est pas cette eau qui a guéri. Ce n'est pas les boules de terre qui ont guéri. C'est simplement la parole qui a créé. La parole a créé un schéma. Et quand tu suis ce schéma-là, ce que la parole veut réaliser, se réalise en toi. Je n'ai pas besoin de comprendre comment les choses se font. J'obéis simplement à la parole. Je la mets en pratique et j'aurai le résultat. J'ai simplement besoin d'obéir à la parole. D'obéir à la parole. Je me rappelle, une fois, un frère m'a écrit une note, dit, je suis en train de mourir, je suis dans tel hôpital. Et j'étais dans la ville. J'arrive, je vois, il était sous aspiration à assister. Le médecin m'a dit, son poumon droit a cessé de fonctionner, le poumon gauche va s'arrêter dans quelques minutes. Il me le disait en face du malade. Je dis, ah, mais monsieur, déontologiquement, tu ne peux pas me parler en face du malade. Donc tu es suspect, enlevez-moi ces histoires. Il dit, mais monsieur, je veux... il va mourir. Je dis, non, il ne va pas mourir. Enlevez ça. Ils ont enlevé, j'ai pris le frère, je l'ai mis dans le véhicule directement. Je crois qu'on était à Lubumbashi. Directement dans un autre hôpital. Je l'ai laissé là-bas. Il a fait 3 jours dans les urgences. Il est sorti. Quand il est sorti, il a dit, j'étais près de la mort. Ce monsieur, il n'y avait pas de poumon abîmé, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Si je n'avais pas obéi à l'esprit, je regardais qu'il respirait sous ça. Mais l'esprit de Dieu m'a dit, c'est faux. Ça, c'est des gens qui font des sacrifices des hommes. Et c'est un médecin qui prépare un sacrifice, refuse ça. Je suis désolé, hein, je ne suis pas contre les amis ici. Mais je l'ai sorti dans ce cadre-là et j'ai vu que obéir à Dieu vaut mieux qu'obéir à quoi que ce soit.
si vous obéissez à Dieu, ce n'est pas vous qui allez faire. La parole à laquelle vous obéissez va déclencher sa puissance. Automatiquement, certaines choses vont arriver. Il dit, j'ai mis simplement la parole de Dieu en pratique. J'ai mis la parole de Dieu en pratique et j'ai vu le pouvoir de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. J'étais un jour à Ndolo ici, à l'aérodrome. Un monsieur vient me saluer et dit, dans notre famille, nous continuons à bénir Dieu pour toi parce qu'un jour, Dieu a sauvé l'équipage qui était là par ton canal. J'avais même oublié. Mais je me rappelle qu'on était dans un petit porteur. Les pilotes nous avaient signalé que l'avion là, c'était déjà abîmé. Il a commencé à donner du whisky à tout le monde. On était à 8, 2 ministres, 2-3 généraux et quelques autorités comme ça. L'avion a fait un bruit. Nous avons fait 6 kilomètres en 3 secondes ou 3 minutes, je ne sais plus très bien calculer, mais c'était une chute vertigineuse. Moi, j'ai fait ma prière, j'ai dit, Seigneur, si c'est aujourd'hui que tu as prévu que je vienne auprès de toi, je suis prêt. Il m'a dit, non, c'est faux, arrête cette histoire. Et moi, je n'aime jamais rater ces occasions-là. J'ai dit à l'avion, arrête-toi au nom de... C'est peut-être comme des blagues, hein? Mais l'avion a suspendu la chute, pouf! On était tous là, on a fait 1h30 en basse altitude, depuis Kamina jusqu'à Kinshasa ici. On a atterri, tout le monde avait transpiré, parce que chacun avait fait le travail qu'il devait faire. Il y avait des gens qui ont fait le travail de la peur, mais nous on a fait le travail d'intercession, on a prié, on a maîtrisé l'affaire, maîtrisé l'affaire. Quand l'avion a atterri, un ministre a posé la question à un général. Mon général, Ozaki, calme. Il a dit, je suis en train de le dire pour encourager quelqu'un à ne jamais négliger à obéir à la parole. Cette parole te fera sortir des souffrances. Cette parole te fera sortir des pièges. Cette parole te fera sortir des blocages. Obéis à la parole. Si on te dit prie, prie. Si on te dit jeûne, jeûne et prie. Si les directives de Dieu sont que tu puisses prier, prie. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Ça, c'est la parole. Et si vous priez, quelque chose va se passer parce que c'est une directive de la parole. Ne va pas faire n'importe quoi. Oh non, je suis allé chez un prophète là. Il m'a dit, amène un peu ceci. Je veux. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Elle est écrite là. Lis ce qui est écrit. Il y a ton cas qui est déjà écrit là-bas. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Donc, si tu meurs un jour, ça ne sera pas parce que Dieu est incapable de te guérir, parce que ton temps est arrivé. Mais sinon, la parole de Dieu doit s'appliquer dans ta vie. Et tu as besoin de prier jusqu'à ce que arrive l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus a tout fait jusqu'à la mort, conformément à la parole. À un moment donné, même il a prié avant d'aller, de se faire arrêter. Il dit, Père, si cette coupe pouvait passer, franchement, mais que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté se fasse. Il a appliqué le plan jusqu'au bout. Il est arrivé même à dire, Lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti abandonné à cause du péché. Mais à la minute qui suit, il dit, entre tes mains, je remets. Tu vas remettre ton esprit à quelqu'un qui t'a abandonné. Je ne sais pas si vous sentez que quelqu'un t'abandonne et puis tu dis, je te remets mon esprit. Non, c'est la confiance totale. Nous avons besoin d'appliquer la parole de Dieu et de faire
totalement confiance en Dieu. J'obéirai encore, j'obéirai toujours, j'obéirai tout le temps. Parce qu'en obéissant, la Bible dit, cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit, et pour agir conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas deux méthodes. Cherche la parole de Dieu, applique la parole de Dieu. Et va te soustraire des activités de tout le monde, ce n'est pas grave. Les gens vont se moquer de toi, mais quand ils verront les actions de Dieu au travers de ta vie, ils vont dire, effectivement, Dieu a travaillé ici et Dieu est ici. Effectivement, Dieu est ici et Dieu travaille ici et il va travailler. La dernière chose, la troisième chose, c'est que le modèle que nous devons suivre a un fondement irremplaçable, celui de Jésus-Christ. Notre modèle doit s'attacher, doit refléter Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est Jésus-Christ seul, parce qu'il nous a été donné un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Par ce nom-là, nous pouvons être sauvés. Si ce n'est pas le nom de Jésus, alors je ne croirai en aucun autre nom qu'on viendrait me donner. Même si celui-là, il fait des miracles, je ne croirai pas. Je croirai si lui aussi croit en Jésus-Christ. La Bible nous raconte beaucoup de phénomènes. Les Actes des Apôtres, chapitre 7, vous pouvez lire ça chez vous. Philippe entre en Samarie, il commence à prêcher. Il trouve là-bas qu'il y avait un magicien qui s'est vraiment occupé de la ville, qui a étonné la ville avec des choses incroyables. Et quand Philippe arrive là-bas, le magicien voit comment l'Esprit Saint opère. Il se fait lui aussi baptiser. Il se fait baptiser et quand Pierre et Jean arrivent, il voit plus loin qu'il suffit que Pierre fasse ça. La puissance du Saint-Esprit touche quelqu'un et dit, donnez-moi aussi un peu. Est-ce que je ne peux pas avoir avec de l'argent? Non. Il y a plusieurs petits vrais faux numéros, des vrais faux miracles que les gens nous font consommer en croyant qu'il y a eu ceci qui s'est passé ou cela s'est passé. Pour que ces gens-là s'attirent la gloire sur eux. Maintenant, moi, j'étais surpris. Un jeune pasteur vient me dire, ah, vieux, la ville de Rwanda, ils en ont produit moi en Inde, ce que Melissio, on sait que tu dormiras totalement inconscient pendant 5 heures. Et à la minute qui suit là, tu vas te réveiller. Maintenant, on va t'amener dans le public dans cet état-là, sachant qu'il te reste quelques temps. Dès qu'on va faire ça, tu te réveilles, on dit que tu es ressuscité. Je dis, mais quand les gens font ça, ils trompent qui? Ils se trompent eux-mêmes. Parce que nous, on s'en fout. Si tu as ressuscité quelqu'un, et puis, tu deviens Dieu. Non, la Bible dit que si quelqu'un fait des miracles, vous approchez de cette personne et que la personne vous conduise vers d'autres dieux, abandonnez même ce miracle qu'il a fait là parce que ce n'est pas sur la voie de Dieu. Je ne le savais pas, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup d'autres petites choses parce que je reçois certains de jeunes serviteurs ici, d'autres me disent, oh non, nous étions de la ligne d'un tel, nous étions d'un tel, mais maintenant, ce qui se passe là, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons simplement que tu puisses nous encadrer. Certains même se sont rendus coupables et même ils ont fui. Ceux qui sont venus me voir, ça c'est juste une parenthèse, je vous raconte. Il y a des gens que vous voyez ici, des aventuriers qui peuvent vous amener sur un chemin. Il y a un jour,
Un groupe de serviteurs de Dieu m'avait abordé. Bon, je les ai aidés. J'ai commencé à les suivre un tout petit peu. Mais j'ai constaté une chose. Celui-ci vient, il me demande quelque chose, une aide, je donne. L'autre là vient. Un jour, j'ai donné de l'aide à l'un d'entre eux. C'était un petit chèque qu'il aille à la banque récupérer 300 000 francs. Il revient le jour suivant totalement rossé. Parce que ses amis l'ont vu à la banque retirer l'argent et ils sont allés, ils ont retiré ça, ils ont récupéré, ils l'ont rossé. Ils l'ont tabassé, sérieusement. Alors l'un d'entre eux vient me dire, il dit, viens, sinon tu es tout ça en abysso, l'ikelemba et pas naïo. Normalement, où est-ce qu'il y a Sengi au Pessi Tokaboli? Où est-ce qu'il y a Sengi au Pessi Tokaboli? Est-ce qu'au jour où on a Mais non, ce que je vous dis ici, c'est des pasteurs d'église. Ce n'est pas des jeunes gens. C'est des responsables. Quand vous voyez apôtre tel, 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 des titres, quand vous le voyez, si je les cite, vous ne croirez pas. Mais ils font des choses comme ça. Mais leur revenu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et en vérité. C'est pourquoi nous n'avons pas deux modèles, sinon le modèle de Jésus-Christ. Même moi qui vous prêche ici, si un jour vous apprenez que non, j'ai commencé à vous dire, regardez, il y a un astre tel qui fait ça, ne croyez plus. Jésus doit rester le seul fondement, il est notre fondement, il est notre Dieu, il est notre sauveur, il est l'unique, le seul, le véritable, celui-là qui est irremplaçable. Les uns le considèrent comme un simple homme, d'autres le dénaturent, mais nous, nous savons qu'il est le Fils de Dieu vivant. C'est en son nom que nous avons le salut, en son nom que nous avons le pouvoir, et le travail que nous faisons, c'est en son nom que nous devons le faire, sous son autorité. Sinon, on nous dira, je ne vous ai jamais connu. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que le seul Seigneur sur qui nous devons fonder nos actions, c'est Jésus-Christ. Et parce que c'est Jésus, le modèle de Jésus, non seulement il est un modèle incompréhensible et supérieur, il est un modèle basé sur l'obéissance totale de la foi, mais il est un modèle basé sur la proclamation et la déclaration de ce que l'on connaît. C'est de cette manière-là que nous pouvons imposer, agir comme lui. Il agit en déclarant, en proclamant, en bénissant. Et je sais que ce soir, je prierai pour quelqu'un, Dieu interviendra. Je déclarerai quelque chose sur ta vie, elle s'accomplira, simplement parce que c'est la méthode de notre Seigneur, c'est la proclamation de la parole. Il est arrivé dans la tombe de Lazare. Il n'est pas allé dans la tombe, il a envoyé la parole. Lazare, il a appelé une fois, sors. Et puis, les tombes de ce côté-là, vous savez qu'il y a des marches dans les tombes. On creuse, il y a des marches, et puis là, on dépose le corps. Mais ce corps qui était lié comme ça, il se retrouve ici, lié. Il est monté comment? Parce que c'est ici qu'on dit déliez-le et laissez-le partir. Mais il est sorti de là jusqu'ici, il est sorti comment? La puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La parole que Dieu te donne, que tu prends avec toi, n'est pas n'importe quoi. C'est une puissance. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance d'une dynamique de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu chantes Jésus, les fondements de la prison ne peuvent pas résister. Tu
pries Jésus, la promesse devient réelle. Tu penses à Jésus, tu dors comme Pierre dans une prison, tu te retrouves dehors parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a jamais changé, il reste le même. Bien-aimé dans le Seigneur, il est un bonheur de croire en Jésus. Il est un bonheur de servir Jésus, de chanter pour lui, de l'adorer, de lui obéir, de marcher sur ses voies, de rester attaché à lui. Parce que quiconque le fait ne sera jamais perdu, ne va jamais échouer. Il ira de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bonheur en bonheur. Le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Quelles que soient les difficultés qui vous arrivent, c'est le nom seul de Jésus qui peut sauver, le seul nom qui fait trembler l'enfer, le seul nom qui fait trembler les maladies, le seul nom qui peut te relever dans ta vie, c'est le nom de Jésus et tu as besoin de le proclamer. Il dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Et moi, j'agis parce que Jésus agit. Il agit d'abord en moi. C'est comme ça que par moi, il agit. Il agira en moi en me disant, crois en ça, ça ne croit pas. Accepte ceci, cela n'accepte pas. Déclare ceci, ça ne déclare pas. Fais ceci, l'autre là ne fait pas. Et quand tu marches avec lui, il te dote de son esprit et de toutes les capacités possibles. Bien-aimé dans le Seigneur, nous nous attachons à Jésus, pourquoi? Parce qu'il est le seul qui nous a promis le véritable consolateur, le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter ici en disant, quand il a dit que je pars, si je pars, je ne vous laisserai pas orphelin, cela veut dire que nous aujourd'hui, nous agissons au nom de Jésus avec son pouvoir authentique. Avec son esprit authentique, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un sorcier. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un monde de ténèbres parce que celui qui est en moi, il ne crée jamais les ténèbres. Celui qui est en moi, il renverse les puissances des ténèbres. Celui qui est en moi, il me dote des capacités que le monde ne peut me donner, mais des capacités que le monde ne peut enlever. Lorsque les gens agissent par d'autres pouvoirs, vous pouvez le savoir. Il y a des gens qui sont des téméraires. Moi, j'ai grandi dans une famille où les sorciers, la sorcellerie étaient adorés. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient, il parle à un arbre, il dit « arbre ». La maison du pasteur Ngungu, c'est où? Et l'arbre lui répond. Il parle avec l'arbre. Il devient serpent ici. Il devient lion là-bas. Il devient ceci. Un type comme ça a dit à ma mère, ton fils est né là-bas, je vais le bouffer tel jour. Le 20 janvier 1973. Je le bouffe ce jour-là. Ce jour-là, je fais un accident qui me fait perdre le bras. Je vais à l'hôpital déclaré mort. Mais ma vie ne s'est pas arrêtée là. J'ai vu celui-là que j'adore et celui que je prêche me dire, ton jour n'est pas encore là. Amen. Alléluia. Il dit, ton jour n'est pas encore là. Quand ce jour viendra, tu vas me rencontrer là, il me montrait un endroit, il y avait une grande ville. Et depuis ce temps-là, je suis devenu têtu. Personne ne peut me dire que ton jour est arrivé. Nous avons tous le numéro du boss, nous l'appelons pour vérifier. Oui. Même si tu t'appelles COVID, je dis, attends, j'ai le numéro du boss. Il y a COVID ici. Est-ce que tu l'as envoyé pour ma mère? Elle dit non. Allez, au nom de Jésus. Donc on est devenu têtu. Et la deuxième chose, je le dis toujours là où je vais. J'ai même un livre là, si vous achetez ça, vous allez lire. La deuxième chose, il m'a dit, ne perds pas le temps avec ce que tu as perdu. Concentre-toi sur ce qui te reste.
tu vas perdre les parents, tu vas perdre les gens, tu peux perdre même un membre du corps, tu peux perdre ceci. Ne perds pas le temps avec ce que tu as perdu. Concentre-toi sur ce qui te reste, tu vas réussir. Et si tu perdais tout, tu ne me perdras pas, je serai toujours avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Jésus est vivant. Il est vrai. Si tu lui fais confiance, tu iras très loin. Si tu lui fais confiance, tu feras beaucoup de choses. Si tu le laisses guider ta vie, il va te guider et tu vas marcher avec lui. Et avec lui, on n'échoue jamais. Et avec lui, on n'a pas de perte. Avec lui, on ne craint rien. On ne craint rien. Il n'y a rien qui puisse t'intimider. Avec lui, on ne craint pas. Le vieux là qui a terrorisé ma famille, quand je me suis réveillé, Christ a commencé à me parler. Un jour, je l'ai vu, je lui ai dit, tu as besoin de croire en Jésus, sinon tu es malheureux. Il est mort pourri. Il vivait, mais toute la partie ici était pleine de vers. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Plein de vers, des asticots, mais ici, il respire. Même à ce niveau-là, il n'a pas cru en Jésus. Vous pouvez vous imaginer. Et pour aller avec, mais je ne viens pas vanter quelqu'un. Je viens te dire, Jésus t'aime. Jésus a un plan pour toi. Tu as besoin de suivre sa parole, d'agir comme lui. Prends l'engagement de dire, moi, comme Jésus. Ce que Jésus ferait, c'est ce que je vais faire. Ce que Jésus dirait, c'est ce que je vais dire. Ma vie prend le modèle de Jésus. Quand je vais agir, je vais toujours me poser la question. Si Jésus était à ma place ici, il ferait quoi? Ce que l'Esprit répondrait, c'est ce que je vais faire aussi. Si tu vis ainsi, je te promets que l'avenir est déjà radieux pour toi, que Dieu a déjà préparé de grandes choses pour toi. Bien-aimés, nous allons prier. Le Seigneur Jésus qui agit par des choses incompréhensibles, il agit aussi aujourd'hui. Il agit aussi aujourd'hui. Il touche aussi le cœur aujourd'hui. Il libère aussi sa puissance aujourd'hui. Tu veux agir avec lui? Crois en sa parole, quelle est la vérité, et tu dois marcher sur elle, sur cette parole-là. Marcher en obéissant à cette parole, mais en croyant toujours que cette parole appartient à Jésus. En fin de compte, si je ne comprends pas très bien, je dois retourner à Jésus. C'est lui le fondement. Je sens qu'il veut toucher quelqu'un de manière particulière ce soir. Je viens aussi qu'il agisse dans ta vie et je viens partager avec toi ce qu'il a mis dans mon cœur pour agir dans la vie des autres qui croient aussi en lui. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je veux suivre ton modèle, vivre ce que tu as vécu, travailler comme tu as préparé pour moi, marcher sur les voies que tu as prévues pour moi, et je me présente pour que tu puisses accepter, agréer mon sacrifice de cœur, de volonté, de liberté, que tu agisses au travers de ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Je vais demander qu'on chante un court cantique ici, les amis qui chantent, avant que je ne prie quelques minutes. Oh, je ne t'entends pas prier. Commence à prier. Dis à ce Jésus-là, je suis devant toi. Je me livre à toi.
Je me donne à toi. Je viens auprès de toi pour boire, pour recevoir, afin qu'au travers de ma vie tu agisses, tu travailles. Afin qu'au travers de ma vie tu travailles. Des grandes choses doivent sortir de toi. Des grandes œuvres doivent sortir de toi. Des fleuves d'eau vive doivent couler de toi. Il y a des merveilles qui doivent sortir de toi. Pas n'importe quoi. Dieu a prévu des grandes choses sortir de ta vie. Pas de la médiocrité, pas de n'importe quoi, mais des choses admirables, des choses qui vont attirer la gloire de Dieu, l'admiration de Dieu dans ta vie. Il y a des grandes choses qui attendent de couler de toi, des choses inimaginables. Des choses incroyables que tu dois réaliser au nom de Jésus, pour la gloire de Jésus, par la puissance de Jésus, par l'autorité de Jésus. La gloire du ressuscité. Élève son nom. Élève son nom. Alléluia. Donne gloire en son nom. Jésus. Les petits problèmes vont filer en vitesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les puissants des ténèbres vont filer en vitesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant,
créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. Je t'invoque au milieu de ton peuple ce soir. Tu connais la soif de ton peuple. Tu connais le besoin de ton peuple. Libère ta parole. Libère ta puissance. Agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Agis dans cette assemblée ce soir. De manière, Seigneur, à te glorifier sur tout être vivant assistant à ce culte au nom de Jésus-Christ. Tu agis par la puissance. Tu agis par la parole. Tu agis en mettant ton autorité en exergue. Tu agis en libérant ta gloire. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Je proclame la guérison des malades au nom de Jésus. Je proclame la liberté de quiconque serait envoûté, de quiconque serait maudit, de quiconque serait sous un sort mauvais. Je proclame la plénitude de l'esprit dans la vie de quiconque avait soif, qui avait besoin de s'abreuver. Libère ta puissance et que chacun trouve sa part. Que celui qui est entré malade trouve sa guérison. Que celui qui est entré affamé de voir, de se connecter à toi, Seigneur, puisse recevoir cette dose de ton Shekinah, de ta gloire dans sa propre vie. Quand tu es descendu sur Sinaï, Sinaï a tremblé, a tremblé, a tremblé. Aujourd'hui, ce n'est pas sur Sinaï, c'est sur mon frère, c'est sur ma soeur que tu descends. Que ta puissance, Seigneur, soit à l'œuvre. Glorifie-toi là où l'ennemi nous a intimidés. Là où il a mis des barrières pour que les gens ne se marient pas. Pour que les mariés n'aient pas des enfants. Pour que ceux qui veulent te servir n'aient pas le pouvoir de te servir. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Reine de Kéresanès, ce qui t'est limité ne va plus te limiter. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Et tu es libéré. Tu es libéré. Et qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier. Il y a un vent qui est en train de souffler ici. Toi aussi tu as ta part. 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 La grâce de Dieu est sur toi. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il va te donner la force là où tu n'en avais pas. Il va renouveler ta foi, ton assurance. Alléluia. Ta force est présente. Sa puissance est à l'œuvre. Il est en train de te dire quelque chose. Et tu dois croire à cette chose-là. Il est en train de te faire prendre conscience que toi aussi tu es avec lui. Toi aussi tu peux faire comme lui. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Il y a un feu qui est en train de pénétrer ta personne. Il fait la mise en place, bientôt, la démonstration de sa puissance au travers de tes prières. Oh, je le sens, je le sens. Il est en train de toucher quelqu'un, littéralement. Il y a un feu qui est en train de descendre dans ta vie. Un feu qui est en train d'embraser ta vie. Tu ne seras plus la même personne et tu reçois cela au nom de Jésus.
Tu reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Tu es grand. Que ta grandeur se manifeste dans la vie de mon frère. Que ta grandeur se manifeste dans la vie de ma soeur. Que ta grandeur se manifeste dans la vie de cette église. Tu es grand, Seigneur. Que ta grandeur accompagne mon frère. Ta grandeur. Que mon frère devienne conscient de ta grandeur, de ton autorité, de ta puissance. Que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Mais encore, Seigneur, très fort. Gloire à Jésus. Dites après moi, je suis capable de faire ce que Jésus a fait avec la même puissance qu'il a utilisée. La même parole avec Jésus. Tout est possible. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous utilise. Que sa puissance et son pouvoir se déclenchent en vous. Et que par vos prières, les maladies soient chassées. Que les chaînes tombent, soient brisées. Que les morts ressuscitent, réussissez, ayez du succès avec Jésus, soyez fermes dans la foi, proclamez sa puissance de la résurrection, qu'il exauce vos prières, soyez bénis en toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen.